Mon premier album porte le nom d'une figure de skate. Mon nouvel album, c'est le prénom de ma grand-mère. Et mon tout s'apprête à remplir tous les élites de France. Je suis... L'homme pâle sur Basic. Un connard et un mec bien dans le même corps. Et preuve que le rappeur parisien Antoine Valentinelli, 27 ans, est un peu à part, ses influences sont plutôt inattendues. Ma grand-mère, c'est une inspiration, mais elle voulait changer le monde. Les gens normaux se sentent bien dans la machine. J'ai envie de changer le monde aussi, que ce soit artistiquement ou en faisant des actions. J'ai envie de changer, de l'améliorer à mon niveau et ma grand-mère, elle voulait faire ça. Un gars comme Catherine, il fait uniquement à l'oreille et c'est ça qui fait sa force. La plupart des mélodies, je les trouve à moitié au piano alors que je sais pas jouer le piano. Hein. Je trouve les notes et mon cerveau il me dit oui, non, oui, et j'ai l'impression d'être comme un coffre-fort là que je tourne. Et puis je tourne le truc et à un moment, ah, ça y est, j'ai exactement la mélodie que je voulais avoir. J'ai toujours rêvé d'être un rocker comme Julian Casablancas. Et un jour je le ferai et là j'espère que c'est l'étape suivante d'apprendre à jouer de la guitare et m'amuser quoi en fait. En attendant son disque rock, l'homme pâle sort Janine, son nouvel album, demain. Les essentiels de Basic ce soir avec Gaëtan Roussel. Il sera sur la scène de la salle Playel à Paris le 13 décembre prochain pour présenter Trafic, son troisième album solo. Et pour finir, la chanteuse LP vous donne rendez-vous. Salut Basic, comment ça va? Mon album sort demain et en exclu, je vous en offre un extrait. J'espère que vous aimerez. Basic, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres.